une atmosphère d'affliction et de profonde tristesse à la résidence d'Abédier le mardi 2 août 2023. Parents, proches et militants, encore sous le choc de la brusque disparition de son Excellence Henri Konan Bédié, étaient venus en grand nombre présenter leurs condoléances à Mme Henriette Konan Bédié, aux enfants Bédié et aux familles alliées. Décédé le lundi 1er août 2023 dans sa 89e année, le président Henri Konan Bédié, ex-président du PDCI-RDA, laisse la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et le PDCI-RDA dans une grande tristesse. Et la République tout entière, dans un élan de compassion, s'est mobilisée pour témoigner sa solidarité et apporter son soutien à Mme Henriette Konan Bédié et à la famille Bédié. Le chef de l'État et son épouse ont été les premiers à ouvrir la série de présentations de condoléances aux familles Bédié et alliées. Alassane Ouattara, dans une profonde étreinte à la veuve, lui traduisait sa tristesse et marquait sa compassion à Henriette Konan Bédié, profondément meurtrie, le regard perdu, les yeux bouffis par tant de larmes versées pour Henri Konan Bédié, son amour éternel, qu'elle ne reverra plus jamais. Le président Laurent Gbagbo, son épouse et une forte délégation du PPACI ont également exprimé leurs condoléances à Mme Bédié et aux enfants Bédié. Le couple Patrick Hachi-Jérôme, le président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo, à la tête d'une forte délégation de parlementaires. Le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio Jeannot. Des ministres de la République, Kandia Camara, Souleymane Diarra Souba, Kouadio Konan Bertin, ainsi qu'une importante délégation des vice-présidents du PDCI-RDA et des secrétaires exécutifs du parti. Victor Yapobi du Comité national de Miss Côte d'Ivoire et bien d'autres personnalités et des personnes anonymes sont également venues exprimer leurs condoléances à la famille Bédié. Les visites de compassion à Mme Henriette Konan Bédié et à sa famille se poursuivent en attendant le calendrier officiel des obsèques nationales de l'ex-président ivoirien. Rappelons qu'un deuil national allant du 2 au 11 août 2023 a été décrété par le chef de l'État ivoirien. Le président Gbagbo était, on peut dire, plus jeune, mais il était pratiquement devenu l'ami du président Bédié. Donc dans une telle situation, vous imaginez l'état d'esprit dans lequel il a appris la nouvelle. Il est effondré comme tout le monde. Il est ému par cette disparition. Et il perd là un grand frère, un aîné. Et, il n'était pas confident, mais quelqu'un en qui il avait placé beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit tantôt, le président Gbagbo est sous le choc, comme nous tous, les Ivoiriens, qui avons connu le président Bédié, qui a passé toutes les étapes de la vie politique en Côte d'Ivoire, qui a marqué son empreinte de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et nous, qui sommes les plus jeunes, nous savons ce que ce monsieur a fait pour ce pays. La Côte d'Ivoire perd un de ses dignes fils qui a eu toute sa vie à la servir. Et c'est cette peine-là qui nous abat tous, qui avons eu à vivre avec le président Bédié, à travailler avec lui et qui savons très bien quelle valeur nous perdons. La vie est ainsi faite que c'est fait des va-et-vient. Le président Bédié part. Malgré toute notre douleur, nous devons prier pour le repos de son âme, faire en sorte que ses obsèques se déroulent dans la dignité et qu'il ait droit à l'hommage qu'il mérite. C'est un moment difficile, c'est un moment où la Côte d'Ivoire doit savoir traduire sa reconnaissance à ses dignes fils. Le président lui-même a dit que les grandes douleurs étaient muettes. Et donc normalement, aujourd'hui, on devait être muet et observer le deuil. Mais devant ce que le président Henri Konan Bédié représente pour ma génération, on ne peut pas ne pas exprimer sa douleur. Mais en même temps qu'on exprime sa douleur, on exprime sa gratitude à un grand homme, à quelqu'un qui fait partie des bâtisseurs de ce pays-là. C'est la raison pour laquelle nous invitons pratiquement tous les jeunes de notre génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés après les indépendances, à manifester, à témoigner leur gratitude et leur reconnaissance pour le président. À ce moment précis, j'ai une pensée très forte pour Mme Bédié, son épouse, sa veuve, ses enfants. Parce qu'avant tout, Bédié est un père, avant qu'il ne soit l'homme public qu'il est. Et puis ensuite, je pense aux militants du PDCI et qui sont installés dans la ferme conviction que nous reconquérons le pouvoir en 2025. Je pense aussi à tous ces candidats qui sont sur le terrain, qui sont obligés de revenir à Abidjan ou de baisser les bras un moment pour laisser passer l'émotion. Mais je pense aussi à cette pensée qui me traverse, je pense à quelque chose qui me traverse l'esprit. Il faut prendre toujours un mal pour en faire un bien.
le départ du président. Le président Bédié rejoint le président Houphouët Boigny. Et je pense que de là-haut, ils vont protéger la Côte d'Ivoire, ils vont protéger le PDCI RDA. Je suis tétanisé. C'est une grosse perte pour toute la Côte d'Ivoire, je dirais même pour toute l'Afrique. Un grand homme, cette carrure, sagesse, homme de paix et tout. On était ici hier soir. Hein. Et on retourne, j'apprends que Julien Bédié est décédé à la PISAM. Bon, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire pour l'instant, parce que je ne sais vraiment pas quoi dire. Et je peux que ne pas souhaiter la paix à son âme et que le Seigneur le reçoive dans son royaume céleste. On est tous bouleversés, comme tout le pays, parce que quand un baobab de cette nature tombe, j'avoue que c'est un pan de l'histoire de tout un pays qui est en train de partir. Même la nature même respecte cet aspect. Depuis deux jours, j'en parlais justement à mon collègue juste à côté, que le soleil même refuse de sortir. Ça veut dire que même la terre de Côte d'Ivoire est triste. Nous sommes tous tristes, nous sommes affligés. C'est une grande perte pour notre pays, pour la Côte d'Ivoire en particulier.